Bonjour à tous, et c'est Tiffis. Et c'est en compagnie de Bernadette Lapoulette qu'on va continuer cette cinquième session, ou sixième, j'en souviens plus très bien, de Rise of the Tomb Raider, dans l'épisode 13, avec tout l'accent et tout qui va avec. Oui, donc j'ai appelé Bernadette parce que du coup j'avais pas d'autre idée pour le nom. Et puis Bernadette Lapoulette, ça rime. Voilà, il en faut peu, hein. Ah non, j'ai cru que c'était les cordes à la détruire. Salut. Bonjour. Bonjour. On est armé Lapoulette. Jacob, des hélicoptères arrivent dans votre direction. Là, là, non. Rejoignez-nous le plus vite possible. Attends, tac. On prend les flèches. On prend le poulet. Tout le monde derrière les barricades. Vite, vite. Alors, est-ce qu'il y a des méchants? Rendez-vous immédiatement. Attention, restez à couvert. Retirez-vous. Putain, c'est le Vietnam en fait. Le poulet, il est où? Le poulet. On a noyé le poulet. Oh le con. Oh merde putain, on a noyé le poulet. On a noyé Bernadette. Eh ben, il rigole pas par ici hein. Ah bah c'est con ça. Oh oh, il va se faire abattre. Où se trouve la source divine? Allez parle. Arrêtez! Ne leur faites plus de mal! Où est-ce qu'elle est? Attendez! Attendez! Il y a un plan! L'Atlas! Il vous y mènera! Qu'est-ce que c'est que l'Atlas? Ok. Dis-moi plus sur cet Atlas. Ah bah le vite avant qu'il sache tout! Ah bah, d'accord. Est-ce qu'il va battre son pote? Oh! Ok, d'accord. Cool, une nouvelle arme. Ouh! Ouh! Oh la violence! Ouh, tout, tout, tout! Oh! Ouh! J'adore cette arme! Oh, comment je les enchaîne! Ah! Excusez-moi, ah, ah! Voilà! On tire pas dessus comme ça! Espèce de grand fou. Ouais, je suis coincé. Ah non, c'est bon. Aïe. Aïe, il va battre. Qui c'est? Qui c'est? Où ça? Aïe. Ouh. 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 Ah mais c'est abusé comme arme. Aïe. Vol. Attends, on va border. Merde, mais je bandais ma blessure. Ma blessure. Laisse-moi la bander. Je suis une grande folle. Oula. Oula. Oh, derrière lui, il tire sur ses bonbonnes. Je sais pas où je suis. C'est parti. Oh oh. Mais mais explose. Ah mais tout. Ah d'accord, c'est juste qu'il tire. Sois purifié par les flammes. Eh ben ça commence bien. Eh ben on a 4 minutes et c'est, y a du jeu pas mettre d'action. On a une nouvelle arme, on a tué des gens de manière rigolote en plus. Pourquoi on voit ce qui se passe chez les méchants? Nous ont repoussé. Croft est avec eux. De nombreux blessés et des cadavres dispersés partout. Il y en a qui se prend plein de gueule. Ouch! Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meure leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la source. Si t'étais pas si méchante aussi. C'est le karma, ça. Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Le karma est bien, des fois. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi.
Alors déjà en plus t'as un karma de merde et en plus ça se trouve que avec le temps qui se. Enfin la neige et tout ça arrange pas ta pneumonie. Hein. Enfin je suppose que c'est une pneumonie ou un truc dans le genre. Non une pneumonie c'est pas être guéri je crois. Bref. Je suis allé si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre, il y a forcément... Quel péché ? Une bonne raison. Le tuer ? Le fait de se taper ta sœur ? Accordez-moi la force de continuer pour elle, pour vous, pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Mais... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a serré ses mains tellement fort qu'il en a saigné. Nous vaincrons par le sang. Non, c'est juste que le mec qui va mourir de... En fait, t'es juste hémophile, c'est tout. En plus d'être méchant, t'es con. Bon, ça se trouve, c'est peut-être lié, hein. Ça se trouve, t'es méchant parce que t'es con. Ou t'es con parce que... Non, t'es méchant parce que t'es con, je pense. Accroche-toi. Reste avec moi. Dis à ma femme que je me suis tapé la voisine. Je suis désolée. Ah. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. C'est ma direction. Ça n'a jamais été facile. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. Les Trinitaires ne s'arrêteront pas. J'en ai bien peur. Ils ont beaucoup de ressources. Eh ben... Et cet atlas ? C'est un vieux plan de la cité antique. Les Trinitaires ne le trouveront pas à la tour. Beaucoup des miens sont installés dans ces ruines. Le gros truc pointu que tu vois... Ils ne sont pas préparés à un tel assaut. Je peux les aider, Jacob. Et je peux prendre l'atlas aussi. Vous voulez le faire pour nous ? Ou pour ce que vous recherchez ? Les deux ? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Je vous rejoindrai avec des renforts, dès que tout sera réglé. Oh putain, la barbe du mec ! La barbe du mec ? Oui. Il me faut des bandages, dis-moi. On est mal en point, Jacob. Cette attaque nous a dévastés. C'est ballot ? Nous n'avons plus personne à envoyer à l'acropole. Je suis là ! Je m'occupe d'abord de nos blessés. Il faut les emmener dans un endroit sûr. Vous avez besoin de quelque chose ? On est vivant, on rassemblera tous ceux qui peuvent encore se battre. Le mec, c'est... Vous avez besoin de quelque chose ? Je sors mon arme, je cherche devant lui. Vous voulez quelque chose ? Non, c'est bon, dame. Ne frappez pas. Les munitions. La carte du monde. Avec tous les secrets qui sont dévoilés. Oh, ok, bah du coup, on va continuer la truc, enfin la quête principale, hein. Sauf si une quête secondaire qui pop. Je peux vous apporter quelque chose ? Qui est-ce ? Est-ce que c'est toi, Anya ? Nope. Non, désolé, je... Reposez-vous, elle va bientôt arriver. Ok, mettez sur pause. Arrête de bouger. J'essaie, mais... Bon sang, ça fait tellement mal. Je ne peux pas sauver ta jambe. La blessure est trop grave. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire ? Y'a quoi ? Je suis désolé. Non ! Non, c'est pas vrai ! Tu ne peux pas me couper la jambe ! C'est pas possible ! Mais si, regarde ! Si je ne le fais pas, tu vas mourir. Ta jambe va pourrir et ça va te tuer. C'est ça que tu veux ? Ne fais pas ça. S'il te plaît. Mais tu pourras toujours pas ton chaise roulante. Tu rigoles là ! Ça va mal de chien. Tu sais, t'apprends à tirer à partir de... T'apprends à tirer sur une chaise roulante et c'est bon, mais on prend les flèches. Arrête de bouger. Voilà. Où est ton père ? Pourquoi c'est son approche qui se fait sortir ses balles ? Voilà. Salut toi. Comment allez-vous ? Vous vous êtes battu comme une lionne. Ce n'était pas votre première fois. Oh que non ! Il faut croire que non. Tenez, je suis sûr que vous ferez bon usage de ces balles. Oh sympa ! C'est des flèches ça, monsieur. Comment vous sentez-vous ? Allez, regardez. Je peux faire quelque chose pour vous ? Non. Nous attendons notre tour de voir les médecins. Qui ? Plus tard, alors. Oh, bonjour. Vous avez été brave. Ravi d'avoir combattu à vos côtés.
Bonjour. C'est tout ? Bon bah du coup, direction la quête principale. Ah attends, y a Big Bobette. Comment allez-vous ? On a eu tort de douter de vous, c'est sûr. Putain, tes cheveux ! Ça a été un honneur de combattre à vos côtés. Prenez ces munitions. Si vous les combattez à nouveau, collez-leur là où ça fait mal. Ah bah je suis plein, désolé. Bon bah c'est cool ça. Oula. Ouh, touk. 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 Non. Alors, il y a un tombeau facultatif. Ah, on va faire le tombeau facultatif pour compenser le fait qu'on n'ait pas fait les tombeaux d'avant. Et ça se trouve si on pourra pas. Donc tant mieux. Putain mais encore une qui a perdu ses cheveux, donc je sais pas si c'est la même qu'avant mais Toujours rien. Ah Attends, y'a pas quelque chose là? Non, je viens vraiment parano en fait. Les champignons. Non, je suis déjà full en champignons. Et j'ai failli pas voir cette caisse. Oh le placo, il y a du placo. Bon, laissez tomber pour ramasser les petites merdes. On va faire le tombeau. Qui sera. Ah, j'allais dire qu'il sera mieux que le enfin, j'espère qu'il sera mieux que celui d'avant, mais au final, celui d'avant était pas si mal. Faut juste comprendre qu'on pouvait grimper à un certain endroit. Oh ! Oui ! Ouais, j'ai dit qu'on faisait pas gaffe à ce qu'on devait ramasser. Faut que je me concentre sur l'objectif de Terminal El Tombo. El Tombo de la Noche. Non, avec ça, ça marchera pas très bien. C'est stylé, hein. Le jeu est beau. Ce jeu est beau. Waouh ! Une sorte de chambre funéraire. Trop stylé ! Oh putain, Bob Ledlund, il serait fou là-dedans, là. Enfin... Un panier en argent. C'était sûrement un objet de décoration. Mais quelqu'un s'en est servi pour transporter du grain. Mais t'imagines si les crânes parlaient comme le fait Bob Lennon ? Ah non, c'est normal ça. Bon. Apparemment, je dois pas passer par ici. Y'a un chemin sur le côté ? Ouais, comme ceci par exemple. Je préfère. Le classique feu de camp. Stylé ! Magnifique. Ouais. Ouais. Du coup, on crame un petit peu. Et on reprend. Attendez, quoi que. Attends, le fusil à pompe est marrant. Mais est-ce qu'on a pas envie de reprendre le fusil d'avant ? Ah non, c'est bon, fusil à pompe, fusil tactique, c'est bon. Ouais, on garde quand même le fusil à verrou. On prend le revolver. Est-ce qu'on peut améliorer le revolver ? On peut prendre le revolver. Allez, on garde le revolver. Parce que le revolver, il est stylé, ma gueule. Parce que ça fait America. Bon, faut que j'arrête avec ça. Hein. Là, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Oh bah. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à partir de là? Est-ce que je peux que je fasse ça? Donc, apparemment, je pense pas avoir trop le choix non plus. Voilà. Eh, c'est super stylé quand même. Oui. C'est la première fois que je vois qu'on peut mourir dans un tombeau. C'est pas banal. Bon, ça fait une mort dans cette. Je disais une mort dans cette vidéo. Enfin, dans cette session pour l'instant. Allez hop, tac. Allez hop, et on continue.
On se tient prêt. Voilà. Pourquoi détacher alors qu'on peut aller là? Peut-être parce qu'ici il n'y a rien d'intéressant. Nous sommes peut-être loin. Nous sommes loin. Reviens ici. Attends. Voilà, reviens ici. Allez. Allez petit. Allez. On tente, on tente, on tente. Dans le... Mais il a reculé. La pute. Mais il a reculé. Non. Non mais... Con de bateau. Deuxième mort. Mais qui est con ce bateau? Ah. Non. Gna 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 gna. Putain de bateau, tu vas te faire enculer. Parce que à cause de toi, j'arrête pas de crever. Voilà. Ok, carrément. Ah, même quand tu... D'accord. Ok. On peut pas activer le mode bullet time, là? Non, mais... Non, 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 non. Non, 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 non. Dis. Ouais, parce que j'ai pas envie de laisser partir le bateau, puis ensuite refaire le chemin, tout ça. Voilà. Oh, oula. Non, 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 tu vas, non, rapproche-toi, rapproche-toi de la bête. Non, rapproche-toi. Rapproche-toi, j'ai dit. En fait, je suis coincé. C'est ça. Ah, je vais vraiment plus rien faire d'autre, quoi. Bon, bah, voilà. Au moins, ça règle l'histoire. Bon, on va compter ça comme deux morts. Toutes les parts que j'ai fait, on va considérer ça comme deux morts. Comment faire? Oh, ouais. Raté. Mais. Ok, d'accord. Allez, c'est bon. Comment faire, comment faire, comment faire? Voilà, là il fait son coup de pute. Non, 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 ça commence à faire mal quand même là. Attends, on va retenter un truc. Yap. Non, 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 non. Bon. Non, parce que là je suis complètement raté là. Allez, on recommence, on recommence. J'ai vraiment envie de tenter normalement là. On y croit. Alors, tac. Regarde, regarde, là, le chemin. Ressens l'appel, ressens l'appel. Mais... Je peux rien faire. Et là, si je tente de m'accrocher, ça marche pas. Oh, oh, oh. Oh, la triche. Du coup, je vais faire ça, je détache. Et je meurs, voilà. Donc j'ai l'impression que je suis un petit peu coincé. À part s'il faut laisser le bateau revenir, mais ça va être super chiant. Alors, on détache. Voilà, on détache. Il y a peut-être un autre radeau pas loin. C'est que maintenant que tu dis ça? Bon, celui-là par exemple. Non, attends, attends, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 mais... Merci d'avoir indiqué que je pouvais manipuler le bateau de telle sorte. C'est super violent quand même comme truc là. Voilà. Là tu tires.
Là, tu sautes. Non mais... Mais... Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah bah voilà. Là c'est le bon bateau, là c'est la bonne bête. Et ben celui-là on a quand même pas mal galéré j'avoue hein. Celui-là il va être marrant à refaire celui-là. Toi te dégage. Intéressant. Ils embaumaient leurs morts. Ok, vraiment juste ça à faire. Bon, ça nous a pris environ 10 minutes mais il y a vraiment juste ça à faire quoi. Un calice en or. Le calice. Oh, c'était calice. Non, ça c'est les champignons, c'est pas de l'or. Alors, et j'espère que ça va être intéressant. Et pas encore une recette d'omelette aux champignons. Les champignons. Savoir anatomique. Oh. Localise en plaçant du cœur des animaux en utilisant l'instinct de survie et ou en visant vos proies. Tirer dans le cœur permet d'infliger de lourds dégâts. Ces tirs sont sans effet sur les animaux à peau épaisse, les ours et les félins. Ça c'est pas mal. Parce que, attention je vais être chiant avec ça, mais il y a un succès. Oui encore, encore un. Où le but du succès c'est de... Bon, je suppose qu'on doit revenir comme ça. Où le but du succès c'est de... Merde, j'ai oublié. Ah oui, viser le cœur de 25 biches et tout. Je sais pas si c'est, y a un chemin beaucoup plus simple pour revenir, mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà, ça passe. Stucardis. Ouais, j'ai vraiment pas de moyen pour revenir en fait. Ouais, j'ai complètement pas de moyen de revenir en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas par là qu'il faut y aller. C'est pas du tout toi qu'il fallait. Et hop, tout dégage. Tu laisses ton copain prendre le morceau. Oh bah attends, si je peux ramener les deux. Bon, salut. Oula, 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 oula. Non, non, non. Mais c'est qui? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Oh. Non mais... La 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 la... Non mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce... Oh. Capitaine, c'est n'importe quoi. Je fais du surf avec la barque. Voilà, fallait s'y attendre. Mais j'ai quand même fait du surf avec la barque, ça c'est quand même stylé. Ouais, ça nous ramène ici. Évidemment, il y avait un passage par ici. Sauf que je suis trop con et bordé pour le voir. Mais avouez quand même ce que j'ai fait, c'est stylé. J'ai fait du rail quoi. À base de... De barque. Et on revient directement ici, ok d'accord. Allez. Voilà, on passe. Ah par contre merde, le feu se trouve derrière. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon bah du coup, je vais faire une petite ellipse je pense. Même s'il reste que 5 minutes. On fera 5 minutes d'histoire, au moins on avancera jusqu'au point prochain. Donc bah, je vous dis à tout de suite. Et re, nous voilà donc sortis de la grotte. Enfin, plutôt du tombeau qui a été mon tombeau environ une dizaine de fois, je crois. Ah, attends, c'est moi, il y a une... C'est moi, il y a une putain de statue en dessous. C'est bizarre. Nouveau feu de camp découvert. Hey! Mais que voilà. Non, je voulais casser le truc à côté. Si seulement... Tu pourrais voir la vue de ma tante Lara.
J'ai du mal à dire son prénom. Mais oui, je suis son père. Ouh, salut toi. J'arrive enfin à lire. Et ça indique un endroit. Qui se trouve. Ok. Les trucs qui brillent dans, que je ramasserai en off. Oh tiens. Plus d'informations. Du coup, c'est vraiment qu'à ça les langues. Oh, salut toi. Non, je suis en full. Je suis en full plein. Ça aussi, je suis en full plein. Et... Ouh. Allez, accroche-toi un petit peu, la petite Clara. Allons, on se print. Comme ça, j'aurai plein de choses à faire en off et ça va être super. Parce qu'en fait, ces genres de jeux, c'est comme Dark Souls. Qui vient de la campagne. J'ai envie de continuer à jouer. Le problème, c'est que du coup, vu que je suis un let's play dessus, bah, je peux pas trop avancer. Donc, je suis obligé de faire seulement les trucs annexes. Oh, une poule! Non, c'est un vrai carnage ici. Il n'y a aucune trace de votre peuple. Sophia a dû les conduire dans les catacombes. Voilà. Sous la tour. Et j'ai perdu le contact avec elle. Très bien. Je vais voir là-bas si elle y est. On a presque fini d'évacuer les blessés ici. D'accord. Dans peu de temps. D'accord. Je peux récupérer la poule? Je paie la poule! Mais Barbecue. Oui, c'est cruel, je sais, mais bon, hein, on s'éclate comme on peut. Hein. Wow, nice. On est bien là. Avec les corbeaux qui veulent nous bouffer la peau, mais on est bien. Qu'est-ce que c'est que ce chemin là? Qu'est-ce que c'est que le chemin que je suis en train de prendre là? Putain, du coup, j'ai me cassé la gueule. Entrer dans l'acropole. Déjà? Nope. Voilà, ça. Putain, mais je pensais que le chemin était plus long. Enfin, genre, on observait les ruines et tout, c'était super beau, c'était chouette. Et au final, nous voici déjà dans l'acropole. Bon, en espérant que cette fois-ci les mecs me tirent pas dessus. Ils savent. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Jamais. Ils devront me passer sur le corps avant. Ouh, effectivement. Attends. Y'a pas un truc à ramasser là? Ah, qu'est-ce que je disais? Change de flèche spéciale. Alors, du coup, attendez, on va fabriquer parce que pour le coup, on a ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Et le poison, on est full. Parce que le poison, c'est super puissant comme arme au final. La foire des rescapés. Wouhouhou, c'est la fouille. Je veux des réponses. Et moi, je veux des points de compétence. Je ne peux pas laisser beaucoup moins de dégâts, résister aux attaques et résister aux ennemis. Bon. Je les ai franchis il y a bien longtemps et je ne peux pas faire demi-tour. Voilà. Je dois les aider. Pensons à Clara parle, mais on s'en bat les couilles. Je doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui et lui. Apparemment, je peux améliorer notre arc. Ce genre de loyauté genre toi. Est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci. Merde. Ah, il y a le choix, merde. Il y a juste le choix entre deux trucs. Je me bats à leur côté. Peut-être on va reprendre l'arc courbé. Suffisamment confiance pour me dire ce qui... Bon, t'as fini de parler toute seule là? Ça, on s'en fout. Oh, y'a des méchants! C'est pas vrai. Ouh, attendez, s'il y a des méchants. On va servir un petit peu. Voilà. On va tuer ce potiron. Et sinon, bah sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que du coup, là, vu qu'il y avait un gros combat qui va commencer, bah on va dépasser 30 minutes. Et disons que voilà, je me réserve pour plus tard. C'est beau ce que je viens de dire et tout, c'est vrai. Donc voilà, donc sur ce, bah j'espère que cet épisode vous a plu. Donc il y a eu un peu plus d'action que le truc d'avant. Il y a eu aussi beaucoup plus de morts. Tiens, plus de choses à ramasser aussi. Voilà. Les créatures. Mettez sur pause. Donc voilà, il y a eu plus de choses qu'avant. J'espère qu'au moins les fails que j'ai fait vous ont plu aussi. Parce que faut au moins que ça serve à quelque chose. Voilà. Et sinon, bah sur ce. Attends, on va prendre ça. C'est notre première. On va prendre ça et je vous dis à la prochaine. Allez, petit pouce vert, abonnement, commentaire. Et à plus, tout ça. Wouhou, à l'attaque avec la poulette.